chauffeur, on est fatigué. On est fatigué. Nous voulons que notre ministre du tutelle dégage. Parce que nous sommes très, très fatigués. Nous ne sommes pas honorés. Le président ne nous respecte même pas. Le ministre ne nous respecte même pas. Parce qu'il a dit que nos voitures, c'est vieux. Votre voiture est vieille. Depuis 1950, les voitures sont là. C'est ce qu'il a dit. Et ça, ce n'est pas vrai. Il nous a insultés. Il ne nous a même pas respectés. Nous sommes très fatigués. Nous avons des femmes, des enfants. On a tout ce que... on a notre famille. Chaque chauffeur a 20 personnes ou 10 personnes derrière lui. Tu as vu? Donc on est très fatigué. Il faut que l'État nous soutienne. On a une famille. On donne notre femme à manger. On donne nos mères et pères. Ça, c'est très difficile. Il faut bien réfléchir ça. Et on a dit que le diaspora, on a donné le diaspora à chacun 50 000 francs. Nous, chauffeurs, on nous a donné... C'est ce qu'on a dit, on ne nous a rien donné. Rien. Et ce qu'il nous doit nous donner, c'est... C'est plus de 5 milliards. Je pense que c'est 6 milliards 500 millions, c'est ce qu'on a dit. Nous, les chauffeurs de transport interurbain, on nous a distribué 450 millions, c'est ce qu'on a dit. Si on distribue ça, chaque chauffeur doit avoir 6 000 francs par chauffeur. Qu'est-ce que ça nous sert? Rien du tout. Donc, hein? Vous voulez continuer à faire... Depuis 25 ou 30 ans de service. Vous n'avez pas peur? Non, moi je préfère de mourir. Moi je préfère de mourir que le coronavirus, que de rester à la maison, de mourir avec la faim. Moi je préfère de mourir avec le coronavirus que de mourir ce que le gouvernement nous a dit. C'est que l'État est faible. Le gouvernement, le président ne peut plus exercer ce pays-là. Il faut sincèrement qu'il nous laisse. Moi, je ne parle pas d'Omarium. Pardon. Omarium, dégaz. C'est du n'importe quoi. Bon, non, on ne parle pas avec Omarium. On parle avec le président de la République. Toute l'erreur qui est dans ce pays-là, c'est lui le président, c'est lui le chef. Nous, on est trop fatigués. Sincèrement, on est trop fatigués. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est nous les chauffeurs de transport interurbains seulement qui sont garés. Les taxis sont en train de rouler. Tu as vu? Les tatas sont en train de rouler. C'est anormal. Tu as vu ça? Ça ne peut pas continuer. Faire de l'univers, appeler les autres syndicats, peut-être Assando et Gorokhuma, réunis dans une table, discussion. Comme ça, trouver un terrain d'entente. Parce qu'on ne peut pas être distribué comme ça. C'est le président même lui-même qui doit distribuer. Tu as vu? C'est ça que je t'ai dit, n'est-ce pas? Tu veux que je répète ça? Moi, je préfère mourir avec le coronavirus que de mourir. Rester faim à la maison. Je ne peux pas manger. J'ai resté 3 mois sans donner ma femme la dépense quotidienne. Tu as vu ça? Et c'est pas moi seul, le dépense quotidienne. C'est pas moi seul. Tout le monde ici. Tout le monde. C'est difficile.